L'Hotel Cipriani nasce nel 1956 per volere di Giuseppe Cipriani, che aveva un sogno di creare un paradiso lontano dal caos della città. Tuttora è magico. Io tutte le mattine arrivo qui e ho una sensazione di pace e un'essenza particolare. Allora, la mia missione al Cipriani è quella di rendere un'esperienza unica, speciale dei nostri ospiti. Di sfide ce ne sono tante tutti i giorni. Diciamo che quelle più impegnative sono quelle di rispettare gli standard per tenere ad alto livello il servizio del nostro hotel. Io sono una persona molto empatica e a me piace, cioè ho sempre fatto lavori a contatto con il pubblico. Ai giovani che vogliono intraprendere questo stesso mio mestiere consiglio di farlo solo con passione, perché se non si ha passione risulta un po' difficile. Donc bonjour, je m'appelle Noé, j'ai 27 ans. Ça va bientôt faire 5 ans que je travaille pour le Venice Simple and Orient Express en tant que cabin steward. J'ai pu avoir la chance de venir travailler dans le train et depuis je ne suis jamais reparti. On est constamment en train de le renouveler, d'améliorer la qualité du train pour qu'on donne l'expérience aux gens de voyager comme à l'époque, mais avec un certain confort et luxe d'aujourd'hui. Mon rôle à bord du train en tant que cabin supervisor, du coup, c'est de m'occuper des clients dès leur arrivée sur le quai jusqu'à leur départ du train. Et mon rôle particulier en tant que supervisor aussi, c'est donc d'aider mes autres collègues, les stewards, dans leur progression, à atteindre voilà, leur potentiel. Alors, je donnerais comme conseil, si vous avez envie de venir travailler donc, à bord de ce train, donc déjà d'arriver de motiver, parce que ce n'est pas non plus un travail facile, on fait des longues journées, mais c'est un travail passion, c'est vraiment qu'on soit passionné de train, qu'on soit passionné d'hôtellerie, c'est un travail où vous allez pouvoir voir tous les aspects de l'hôtellerie, parce qu'on fait du service, on fait du bagagiste, on vraiment demande d'être polyvalent. Et c'est vraiment quelque chose qui est unique au monde. C'est vraiment, on ne trouvera pas ça ailleurs. Quand ils partent du train, ils ont des souvenirs à vie, parce qu'on fait vraiment en sorte que chaque petit détail soit parfait, qu'ils aient des souvenirs à emporter avec eux, qu'ils en parlent à leurs amis, qu'ils aient envie de revenir. On essaie d'accéder à toutes leurs demandes. Une fois, on a un client voilà, qui voulait faire sa demande en mariage. Donc j'ai pu organiser avec le pianiste qu'à une certaine heure, il allait jouer une certaine chanson, que le barman allait amener un cocktail, le cocktail donc préféré, de la dame en question à une certaine heure. Pianiste a commencé à jouer la chanson, le serveur a rêvé avec le plateau, il y avait une petite boîte en plus. Le mari s'est mis à genoux, a demandé sa femme en mariage, ils ont dit oui, et derrière après c'était une fête. On s'en rappelle encore, une fête dans le bar où tout le monde était vraiment heureux pour eux, tout le monde a fait la fête ensemble. Je suis Ligero Xavier, je suis sous-chef sur le Venice Simple Orient Express depuis maintenant 4 ans. Je faisais mes devoirs toujours dans la cuisine après l'école, donc j'ai toujours été bercé comme ça avec même l'odeur de la soupe de légumes qui cuit. C'est vraiment attirant de travailler dans un train de cette époque, de 1920-1930. Ça change vraiment par rapport à un restaurant traditionnel où on reste statique. Pour nous, c'est fondamental d'interagir avec les autres services, les stewards, que les serveurs sachent ce qu'ils apportent aux clients. On leur raconte d'où le produit vient, comment il a été transformé, pour qu'une fois dans l'assiette, le client sache l'histoire de ce plat. L'organisation, c'est beaucoup plus important sur le train que dans un autre établissement. Et on vit ensemble pendant 9 mois. C'est vrai qu'il y a forcément une cohésion, il y a une fraternité aussi de vivre dans des espaces réduits comme ça, aussi bien en restaurant, dans les cuisines. C'est sûr que ça tisse des liens aussi. Le train, c'est fait pour les personnes qui ont envie d'aventure en fait. Pour se forger, il faut voyager. L'expérience vient en voyageant aussi.